Coucou les chats, alors oui, je suis en pyjama, je suis désolée. Donc aujourd'hui, j'ai fini Mulan. Donc je l'ai mis dans mon étagère. Voilà, donc du coup, je vais vous faire vite fait la chronique de Mulan. Alors, chronique réflexion Twisted Tale. Je sais pas si on dit comme ça, mais c'est pas grave. Donc, un autre conte de Mulan. Ce Mulan-là est hors du temps puisqu'elle se retrouve dans le monde des morts. Bon, vous allez vous dire que c'est horrible cette histoire. Mais pas du tout. Au début, on pense que le capitaine Li Shang va mourir. Mais grâce à Mulan et à Shishi, vous savez la suite. Une très bonne lecture avec ma princesse Disney favorite. Mulan nous montre que les femmes peuvent aussi être fortes au combat. Une histoire d'amour entre Mulan et Shang. Et Shang. Shang, Shang. J'ai dit Shang, mais en fait, je crois que c'est Shang. Donc, du coup, j'ai mis des étoiles ici. Enfin, deux petites étoiles là et un diamant. Enfin, je sais pas trop comment on appelle ça, mais moi j'ai un diamant, voilà. Et j'ai collé des licornes là, un petit cœur et puis voilà, c'est tout. Donc voilà, je l'ai fini le 9 avril, n'importe quoi. Je l'ai commencé le 9 avril après After saison 2 et je l'ai fini le 15 avril, donc aujourd'hui. Voilà. Donc si vous vous rappelez pas, qu'est-ce que c'est Mulan? C'est celui-là. Voilà, c'est Réflexion. Le Twisted Tale. Donc, je crois que c'est le tome 5. Ça doit être un truc comme ça. Attendez, je vais aller chercher au nouveau. Mais je crois que ça doit être le 5. Ah non, là, il est méchant. Ouais, en fait, on n'en sait rien. Mais bon, c'est pas grave. À mon avis, ça doit être le 5. Donc voilà. Voilà pour la chronique. Ça a été vite fait, hein, mais qu'est-ce que vous voulez? C'était une chronique vite fait. Donc voilà. Et donc, la. Donc, Mulan, je l'ai lu le 15 avril. Donc, une bonne lecture, j'ai dit. Et du coup, il faisait partie de la semaine du 16 au 23 avril. Donc, challenge littéraire. Et du coup, lui aussi, vous vous rappelez, Renouveau, que j'avais lu en février. Donc, le 16-02-2021. Donc, ça fait 4 mois que je l'ai lu, celui-là. Donc, il faisait partie du challenge littéraire du 12 au 19 février et c'était aussi également une bonne lecture. De toute façon, je pense que les Twisted Tales, ça devrait être une bonne lecture pour moi. Après, je vais continuer la collection, bien sûr, hein, parce que voilà, j'aime trop les contes revisités, mais je pense pas que ça va être une collection coup de cœur. Enfin, voilà. Peut-être deux ou trois, mais une collection coup de cœur, non. C'est plutôt une collection bonne lecture sans prise de tête, en fait. C'est des contes, donc voilà. Voilà, mes chats, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!